Les églises du Nouveau Testament étaient des églises apostoliques. Et l'église de Jésus-Christ grandit sur un fondement solide avec des fils et des filles engendrés dans l'évangile, travailler ensemble et construire la vie du peuple de Dieu. Here we are in the house of the Father. Many nations have now been made one. Glory to God. Glory to God. L'esprit de la nouvelle alliance, c'est la liberté. L'esprit de l'ancienne alliance, c'est dangereux. Tout ce qui a affaire à la loi. C'est pourquoi il nous faut une coupure totale de l'esprit de l'ancienne alliance, afin d'être libre. The wall has been broken between us. Through the cross we united to serve Him. Glory to God. He deserves praise. Donc le ministère du Saint-Esprit, c'est la manifestation de la puissance de l'Évangile, révélée dans le cœur des hommes par le Saint-Esprit pour le former, pour le façonner, pour l'emmener à l'image de Christ. Where on earth could we find such mercy, such forgiveness to eternal life? Where on earth could we find such mercy to be called the children of God? Quand l'esprit de l'évangile est là et le ministère de l'esprit est là, les chrétiens ne ressentent pas qu'il y a la loi, les règlements, des conditions pour le servir. C'est ressentir le cœur du Seigneur. C'est l'amour dans la famille de Dieu. Il y a un bon parfum. We are God's people. A royal priesthood, a holy nation, belonging to God. We declare praises, praises to our King. He has redeemed us into His light. We are God's people, a royal priesthood, a holy nation. Praises to our King. He has redeemed us into His light. We are God's people. Yes, we are. We are God's people.